Eh bien, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé un processus, un système puissant de yoga appelé Angamardana. Littéralement, Angamardana signifie avoir la maîtrise complète de ses membres. Il s'agit d'une façon puissante de renforcer vos tendons. Ceci m'a permis de rester intact à travers les diverses rigueurs de la vie, les différentes blessures, toutes les folies que j'ai faites avec mon corps. Eh bien, voici mon déjeuner. Il est très important que chacun de vous restiez en forme. En forme pour la vie. Être en forme pour la vie signifie un corps robuste, un mental aiguisé et un cœur doux. Pour rester en forme, j'avais l'habitude de jouer à de nombreux jeux, mais aujourd'hui, mon emploi du temps ne me le permet pas. Trop de blessures également. Alors, je joue un peu au golf, et au moins une fois par an, au moins une fois, je suis en montagne, 5500 à 6000 mètres d'altitude. C'est mon examen médical. Je n'ai pas d'examen médicaux, c'est mon test. Vous savez ce que ça veut dire? Si j'échoue, j'échoue. Aujourd'hui, nous offrons au monde ce système puissant, Angamardana, de différentes façons. Tout spécialement cette année, nous nous concentrons essentiellement sur les forces de sécurité. Nous avons déjà formé plus de 300 instructeurs pour les forces de sécurité frontalières, qui à leur tour forment leurs troupes. En cette journée internationale du yoga, je serai à Siachen avec l'armée indienne, et nous formerons l'armée indienne sur certains aspects d'Angamardana, un système puissant de yoga. C'est quelque chose que la jeunesse en Inde devrait connaître. Notre intention est d'offrir le meilleur aux officiers et troupes des forces de sécurité.